Mes chers amis, shalom, boker tov depuis les studios de la télévision de la yeshiva du Machon Meir à Jérusalem. Vous savez, nous allons lire cette semaine la Haftara qui concerne Iftar Agiladi. Eh bien, cet homme va rencontrer le roi de Hamon qui est prêt à déclarer la guerre à Israël, mais Iftar a des raisons à lui pour lesquelles il veut engager des négociations. Les hommes politiques d'aujourd'hui ont-ils lu, et c'est là la question, le premier chapitre du livre des juges, Shoftim, qui décrit le processus de paix, entendez bien, mené par Iftar avec les Ammonites. Il y avait alors un vaillant guerrier, Iftar le Galadite. C'est à lui que les anciens de Gilad vont s'adresser lorsque le peuple d'Israël se trouve dans la détresse parce que aux abords de l'agression. En effet, si nous étions en mauvaise position, les Ammonites, qui nous avaient déjà attaqués précédemment, et à ce moment-là, nous avons ressenti la carence du chef, c'est pourquoi, eh bien, le peuple ou les anciens vont aller voir Iftar et lui demander de prendre la tête du peuple afin de combattre et de sauver l'honneur moral et l'honneur physique d'Israël, bien entendu. Iftar n'était pas un chef officiel. Il avait injustement, je vous le rappelle, été mis en marge de la société par ses propres frères. Convoitise d'héritage, nous passons sur le sujet. Mais cet homme n'en était pas moins un grand combattant. C'est ça, c'est cela qu'il faut se rappeler. Quelle fut la première démarche de Iftar? Eh bien, Iftar, je lis le texte, Iftar envoya une députation au roi des Ammonites pour lui dire « Qu'ai-je à démêler avec toi que tu sois venu porter la guerre dans mon pays » C'est-à-dire que face à la volonté belligérante des Ammonites, eh bien, Iftar dit « Nous allons ouvrir des négociations ». Ce combattant, aussi vaillant soit-il d'ailleurs, n'est, comme je viens de l'exprimer, n'est pas prompt à la guerre, et Rabbi Yitzhak Avravanel, un éminent commentateur du Tanakh, qui était d'ailleurs un excellent et un très grand politicien et ministre des cours de Portugal et d'Espagne, puis plus tard à Venise, fait l'éloge de sa démarche de recherche de la paix avant tout. Quelle est la réaction du roi des Ammonites, je lis. C'est qu'Israël, étant sorti d'Égypte, s'empara de mon pays depuis l'Arnon jusqu'à Yabok et jusqu'au Yarden, et maintenant rends-le-moi à l'amiable, c'est-à-dire donne-moi des territoires et moi je te donne la paix. Ça vous rappelle quelque chose? Tant mieux. Aucun problème, donc, pour le roi des Ammonites, mais un véritable problème pour nous. Les pourparlers semblent avoir échoué à un moment donné, mais Iftar ne considère pas la partie comme perdue. Il envoie mission après mission diplomatique en déployant cette fois son argumentation. Et cette argumentation, pour ceux que ça intéresse, est minutieusement et merveilleusement commentée par Don Yitzhak Avravanel. Premièrement, Iftar, dans l'argumentation de Iftar, premièrement, Iftar restitue d'abord tous les faits. La guerre que nous avions menée n'était nullement contre Hamon, mais contre Sichon, roi des Amoréens, lequel avait précédemment conquis les territoires d'Hamon. Un cours d'histoire. Ce n'est certainement pas à vous, les Ammonites, de venir avec des réclamations contre nous, mais à Sichon, qui lui était propriétaire. Si déjà quelqu'un veut revendiquer, que Sichon y a revendiqué, mais pas vous, Hamon, qui avez conquis Sichon, venez revendiquer ce qui appartient à Sichon. Deuxième explication. Ce n'est pas nous qui avions attaqué Sichon, mais c'est lui qui nous avait agressés. Oui, ça nous rappelle des choses, bien entendu. Lorsque des émissaires d'Israël ont été envoyés à Sichon, Sichon ne se contenta pas, de refuser le passage à travers le pays, mais il engagea une guerre acharnée contre nous. Eh bien, cette conquête, nous pouvons dire qu'il s'agissait d'une guerre de défense. Tout à fait légitime. Troisième point, la guerre de Moshe contre le roi de Sichon a été déclenchée par la volonté divine. Votre conflit n'est donc pas dirigé seulement contre le peuple d'Israël, mais vous vous rebellez contre la volonté de l'Éternel. Quatrièmement, et pas des moindres, pendant 300 ans, depuis la conquête de Moshe, jusqu'à maintenant, où vous me parlez à moi, Iftar, cette terre n'était pas entre vos mains. Et alors, soudainement, vous avez
comme ça, vous vous êtes levé du pied droit ou gauche, peut-être, hein, revendiquant la terre sur laquelle nous vivons et nous existons. Alors, vous l'avez vu, Iftar utilise des arguments historiques, moraux, religieux et arguments de bon sens. Amon était pourtant bien décidé à faire la guerre. Il décida de ne pas livrer une guerre de défense sur notre territoire, mais de procéder à une contre-attaque en terre ennemie. Qui ? Iftar ! Lorsqu'il vit les résultats, nulle guerre de défense, mais une contre-attaque en terre ennemie. Et la campagne fut un succès pour Iftar. Alors, bien sûr, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous ne pouvons que suggérer à tous nos politiciens qui poursuivent des pourparlers, négociations de paix avec nos ennemis, de s'y préparer préalablement, en étudiant avec le plus grand des sérieux, eh bien, les attitudes de leurs prédécesseurs. Car, comme on le sait, les paroles de nos prophètes ne furent pas écrites pour nous conter ce qui se passa seulement, mais aussi ce qui se passerait certainement depuis Jérusalem. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.